Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Brigitte et aujourd'hui, je vous donne des idées pour utiliser votre cire à seaux et vos seaux. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos où j'utilise mes seaux et d'autres objets pour imprimer des images sur la cire. Je commence aujourd'hui par faire un signet et sceller une bouteille. Le mélange de cire que j'utilise consiste à mélanger une part de crayon de cire et une part de colle chaude. Ici, j'y imprime une médaille, mais ça pourrait être une bague ou un bonhomme sourire. Puis, je colle mon seau sur un ruban et je m'en sers comme signet. Maintenant, passons à la bouteille. J'insère une corde sous le bouchon, puis j'utilise une autre corde et l'enroule autour. J'utilise de la colle chaude pour maintenir au centre de la bouteille les deux bouts de corde. Après avoir mélangé une part de crayon de cire et une part et demie de colle chaude, je trempe le bouchon dans le mélange de cire. Puis, j'imprime une image à l'aide du seau que j'ai fait dans une autre vidéo. Je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Ici, je comble le vide entre le bouchon et la bouteille. Maintenant, passons au cachet de cire proprement dit. Comme vous voyez, vous pouvez réutiliser les restes de cire tombés. Ici, je verse une petite quantité de cire sur une assiette d'aluminium et j'appuie mon seau dessus. Tout comme pour mon signet, je colle mon seau avec de la colle chaude. Ici, j'utilise une poudre or interférence pour faire ressortir le motif. La semaine prochaine, pour la partie 2, je fais un filtre d'amour et un signet. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez « J'aime », partagez-la avec vos amis et inscrivez-vous sur ma chaîne afin de ne pas manquer ma prochaine vidéo. Merci!